m'appelle Simon Courchaine. Je suis un artiste de Drummondvillois, de la relève. Dans le fond, j'ai étudié au cégep de Drummondville. Puis j'ai fait mon baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM en 2014. Et depuis que j'ai diplômé, bien, en fait, je travaille au cégep en tant qu'appariteur, technicien en fait, au domaine des arts visuels. Et l'œuvre que vous voyez ici, bien, dans le fond, c'est une œuvre que j'ai réalisée avec l'aide de la ville. En fait, la ville a mis sur pied un programme d'acquisition d'œuvres dans l'espace public. Puis ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée grâce au concours qu'ils ont fait pour la relève. Donc, l'œuvre que vous voyez s'appelle Rivieron. C'est une œuvre qui met en scène un héron. C'est un oiseau qu'en fond on peut voir dans la rivière Saint-François qui est juste à côté de la rivière. Puis cet oiseau-là, en fait, vient dans la rivière Saint-François parce que c'est une rivière qui est peu profonde, c'est une rivière de galets. Donc on peut la traverser à pied des fois l'été s'il y a des temps secs, la rivière est assez peu profonde. Donc je voulais faire cet oiseau-là parce qu'on peut le voir ici. Puis c'est aussi avec le mouvement de ses ailes, je trouvais qu'il y avait une belle opportunité de rappeler la sinuosité de la rivière. L'espace qui se trouve entre les deux ailes rappelle l'espace négatif de la rivière. Puis les deux ailes font comme les deux rives de Drummondville. La rive un peu plus Saint-Charles, puis la rive un peu plus Ville-Drummondville. Puis il se situe sur une base en fait qui est faite en béton, qui reprend c'est un espèce d'homophone visuel entre les vagues de la rivière. Puis les toits raidants qu'on voit sur les vieilles bâtisses, plus les anciennes usines. On voit aussi des petits vestiges de cette époque-là, notamment sur l'usine de Canimex qui a encore le même type de toit. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir quelque chose qui visuellement parle d'autant de la rivière que du passé industriel de Drummondville, puisque la rivière, c'est un peu elle qui a formé la façon que la ville a été découpée. Hein, on peut pas faire des rues où il y a une rivière, donc il faut les contourner. Puis dans le même principe, bien, l'industrie a aussi formé la ville de Drummondville en faisant des quartiers. Si on prend par exemple le quartier Sainte-Thérèse, bien, c'est un ancien quartier ouvrier qui était spécifique à une usine en particulier. Donc c'est intéressant de faire un lien entre les deux, la rivière puis l'industrie à Drummondville. Puis en plus, bien, le héron est dans une position un peu d'étreinte qui rappelle l'étreinte parentale quand on veut protéger son enfant. Qui fait aussi écho avec la rivière qui est une promenade assez familiale, donc les parents qui se promènent ici devraient sûrement voir un beau clin d'œil avec cette proximité-là en rapport avec la parentalité et puis le soin des enfants. Mais en fait, récemment, j'ai été accepté pour le fichier des artistes, pour les 1%. En fait, c'est quoi? C'est qu'au Québec, il y a une loi qui dit que toute construction, rénovation qui est financée en partie par le gouvernement doit avoir approximativement 1% de son budget qui est alloué à une œuvre d'art. Puis, dans le fond, pour pouvoir faire ces œuvres d'art-là, il faut être accepté dans le fichier des artistes. Après ça, on va se faire appeler pour pouvoir faire ces œuvres-là. Donc là, j'ai été accepté dans le fichier des artistes, ce qui veut dire qu'éventuellement, je vais être appelé à faire d'autres propositions d'œuvres. C'est pas parce qu'on propose qu'on est accepté, mais il y a des chances qu'on revoie mon travail dans l'espace public. Peut-être pas à Drummondville, mais sûrement dans les alentours du centre du Québec. Et sinon, j'ai une exposition aussi qui s'en vient en 2025 à la Galerie d'art du Parc à Trois-Rivières. C'est une exposition où je vais parler de la tristesse sous toutes ses formes en prenant comme image l'homme citerne, une espèce de grosse tête comme une citerne qui se remplit d'eau jusqu'à temps qu'à un moment donné ça éclate puis que les larmes sortent. Ben, si les gens veulent me rejoindre, j'ai une page Instagram, Simon Prout. C'est une vieille blague avec mon frère puis ma sœur. Fait que si jamais vous voulez aller voir mon travail ou vous voulez m'écrire, là, vous pouvez m'écrire via le petit chat privé d'Instagram. Puis sinon, ben, je suis au cégep, au local des techniciens, 3 jours semaine. Si jamais vous passez au cégep, vous pouvez venir me voir.